Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très très bien. Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment afficher l'écran de son smartphone sur un autre téléphone ou sur une tablette. Partager facilement et rapidement l'écran de son smartphone sur un autre smartphone ou sur une tablette. Rendez-vous sur l'écran de mon téléphone. C'est parti les gars, let's go. Avant de partir, si tu es nouveau, nouvelle sur ma chaîne YouTube, je t'invite de lâcher un pouce bleu, de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors les gars, rendez-vous sur Play Store, on va télécharger l'application Partage d'écran, assistance à distance. Alors vous allez télécharger cette application sur les deux appareils, sur votre téléphone portable et sur votre tablette ou sur votre second smartphone. Une fois l'application téléchargée, on va ouvrir l'application. Alors j'ouvre l'application sur ma tablette ou sur mon second appareil et je l'ouvre sur mon appareil principal. Alors, comme vous le voyez, vous avez le code de chaque téléphone. Alors, le code de ma tablette est là et le code de mon téléphone est là. Et si vous avez un second téléphone, vous allez voir votre code. Alors, vous allez faire quoi? Moi, je préfère partager l'écran de ce téléphone sur ma tablette. Si vous voulez partager l'écran de ce téléphone sur votre second téléphone, vous allez entrer le code de votre second téléphone ici. Alors, moi, j'entre le code de ma tablette 73 52 72. Puis je clique sur Appel. Commencer. Alors, comme vous le voyez, ma tablette, elle sonne. Je clique sur J'accepte. Autoriser l'application partage d'écran à enregistrer des fichiers audio. Je clique sur Autoriser. Je clique sur Autoriser. Alors, là, je clique sur Cacher. Là, je clique sur Cacher. Comme vous le voyez, l'écran de mon téléphone est partagé sur ma tablette. Comme vous le voyez. Ça va être pareil si vous avez... Et voilà. Merci beaucoup les gars, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas de vous abonner et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas de balancer un commentaire votre point de vue, votre question. J'essaierai pas de vous répondre dans les plus brefs délais. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt.